Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. L'année 2023 s'annonce comme une année de changement, peut-être encore plus grand que ce que nous avons vécu cette année. Ils sont en train de prendre place à tous les niveaux sur la planète et au sein de l'humanité et de la société terrienne. Une grande partie de la population est en train de s'éveiller. Elle a besoin d'informations fiables, de clarté et d'être guidée. Et nous avons tous besoin de connaissances de soi et de maîtrise face à des événements mondiaux qui semblent à ce jour s'intensifier et qui demanderont du calme et de la maîtrise de soi. Pourquoi pratiquer la méditation? Si ce n'est justement pour répondre à ces questions existentielles par nous-mêmes et du profond de soi, ou pour aider ceux qui nous entourent, les personnes que nous aimons, à découvrir ce qu'elles ne connaissent peut-être pas encore, ou pas du tout. Et pourquoi s'informer sur les différentes lignées extraterrestres et de leur vie au quotidien? Non pas en collectant des informations terrestres qui se fractalisent dans le même sens, mais en les recevant directement d'équipages extraterrestres qui les communiquent en direct et en audio, nous aidant ainsi à étendre la conscience humaine et celle que nous avons du monde qui nous entoure. Je suis Tim de Space News. Je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs séries de cours qui commenceront début janvier 2023. Il y a à la fois des cours de méditation, découverte, débutant, intermédiaire et avancé, et des cours sur les lignées extraterrestres et leur vie au quotidien. Comme ils me l'ont décrite en personne, pas par télépathie, mais à l'écrit et en audio, comme l'on parle à une personne au téléphone. Voyons d'abord le calendrier. Du côté gauche, vous trouverez les cours que vous pouvez suivre ou offrir à des personnes que vous aimez. Ces cours sont disponibles et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire dans la boutique en ligne teamspacenews.boutique. Et du côté droit, les directs gratuits, ouverts à tout le monde, et des groupes dans des salons accessibles gratuitement, en souscrivant à l'un des 6 forfaits proposés sur YouTube. Il y a dorénavant 6 nouveaux kits de cours. Vous trouverez leur description sous l'onglet « Cours » dans la boutique teamspacenews.boutique, mais en voici aussi le détail. Le kit numéro 1 « Découverte » est composé de 2 cours qui s'adressent essentiellement à des personnes qui n'ont jamais pratiqué la méditation ou très peu. Ils permettent d'acquérir les notions fondamentales de la pratique des techniques du moine de forêt. Mais il peut s'adresser également à des personnes qui ont pratiqué la méditation depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, car ces techniques sont tout à fait différentes et très efficaces. Vous pouvez également les offrir à votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins ou vos clients ou clientes, comme une aide pour éveiller ceux et celles qui sont prêts ou simplement pour dépeter les neurones. Ces 2 cours auront lieu dès le tout début du mois de janvier, le mardi 3 et le mercredi 4 à 20h, mais il faut arriver à 19h45. Le premier cours, Pourquoi méditer ? Présentation succincte de Tim, le quotidien d'un moine de forêt, la préparation de la session, heure, lieu, matériel, vêtements, position, la méditation assise, passive, les instructions sur le point de focus, les notes mentales, suivies de questions et de réponses en live. Le deuxième cours est un complément indispensable à la partie passive, assise. C'est la partie de la méditation en mouvement, la méditation active, avec une préparation de la session,
le lieu, la position, suivi de questions et de réponses. Le kit numéro 2 est le kit pour les débutants, conçu pour vous apporter la clarté nécessaire en ces temps chaotiques ou pour éveiller ceux et celles qui sont prêts ou qui souhaitent tout simplement découvrir les multiples couches du palimpseste de la conscience. Il s'agit d'un kit de 12 cours d'une heure avec une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses. Ces cours auront lieu tous les jeudis du 5 janvier au 23 mars 2023 à 20h en arrivant à 19h45. Ces 12 cours présentent l'illumination terrestre, les techniques du moine de forêt, la pratique assise ou passive, la pratique en mouvement ou active, les 5 sens et la perception dualisée, les émotions, l'inné ignoré, l'auto-guérison, la tétravalence, une vision à 360 degrés, les starseeds à la proue du vaisseau, l'intégration extraterrestre, suivi d'un dernier cours, numéro 12, de témoignages et d'échanges. Le kit numéro 3 est le cours intermédiaire. Il se décompose en deux parties, la première du débutant à l'intermédiaire et la deuxième de l'intermédiaire à l'avancé. Ceci permet un passage plus fluide entre les deux cycles, débutant et avancé, pour quitter le cycle débutant et se préparer pour le cycle avancé. Ce kit numéro 3 aura lieu tous les mercredis du 5 avril au 28 juin 2023, à 20h, excepté le mercredi 5 mai. Les points vus dans la première partie, du débutant à l'intermédiaire, sont la méditation responsable, les techniques du moine de forêt passive et active que vous pourrez comparer à celles que vous pratiquez, l'observation, la concentration, la contemplation et les variations de l'attention, l'observation du physique, les sensations et les perceptions, l'observation du mental, les sentiments et les émotions, l'extase, l'ivresse et le ravissement, et les variations de l'énergie physique. La seconde partie, composée également de 6 cours, de l'intermédiaire à l'avancé, présente la méditation au réveil, l'observation matinale, son but, l'intégration de la pratique dans toutes les activités de la journée, l'intervalle 1 qui est un repérage au point de focus 1 au nez ou 2 à la poitrine, l'intervalle 2 les repérages au niveau des 5 sens, l'intervalle 3 qu'est-ce que l'intervalle et son importance, et le 12e cours sera consacré aux témoignages et aux échanges. La parole sera donnée à ceux et celles qui voudront s'exprimer et partager leurs pratiques. Le kit numéro 4 consacré à la pratique avancée, c'est-à-dire les personnes qui auront déjà suivi les cours de débutants et d'intermédiaires, c'est d'ailleurs le prérequis et la raison pour laquelle la description et l'inscription ne sont pas encore en ligne et le seront début septembre, car j'attends la fin des cours intermédiaires pour pouvoir le mettre en ligne. Le kit numéro 5 est consacré à la découverte de 12 lignées extraterrestres. Donc nous passons maintenant à la série de cours sur les extraterrestres. Cette série de 12 cours, un cours par lignée extraterrestre, est conçue comme une aide pour éveiller certaines personnes et les aider à percevoir un monde hors planète souvent méconnu ou pour qu'elles
acquièrent des données partagées directement par des équipages extraterrestres à bord de vaisseaux en haute orbite terrestre, pas par télépathie ou canalisation, mais par écrit en live ou en audio quand vous parlez à quelqu'un au téléphone. Vous découvrirez grâce aux textes qui ont été enregistrés que les descriptions faites sur Terre sont bien souvent erronées. La découverte de ces 12 grandes lignées extraterrestres était accueillie sur Viera, la biosphère andromédienne cachée derrière la Lune, et elles avaient toutes un siège au sein du Haut Conseil andromédien. Elles ont été décrites en 2017 par Zen l'extraterrestre, où ce sont des lignées avec lesquelles j'ai eu également des contacts directs. Les points qui seront abordés pour chaque lignée et dans chaque cours sont leurs constellations, les systèmes stellaires, soleil, planète, biosphère, les années-lumière, le type de planète et population, les vaisseaux en orbite, la description des planètes, le climat, les habitations, les descriptions physiques, taille, force, apparence, peau, yeux, oreilles, nez, corps, doigts, orteils, longévité, type de reproduction, capacité, dématérialisation, mimétisme, morphologique, télépathie, caractère, logique, émotionnel ou neutre, langage, musique, art, type de société et technologie. Et ces points seront revus pour chaque lignée, les Agartiens. Nous verrons aussi à ce moment l'arbre généalogique des lignées extraterrestres, les amphibiens, les andromédiens, les aviaires, les marsupiaux, les félins, les humanoïdes célestes, les insectoïdes, les reptiliens, alpha-draconiens et draconiens, les alphratiens, les andromédiens bleus, zénétaïens et viranais, les antariens, les arcturiens, diesli antiplex, les étortans, les lyriens véganais, les pléiadiens de tous les systèmes stellaires, des pléiades, Alcyone, Astérope, Stérope, Atlas, Selaeno, Electre, Maya, Merope, Pléione et Tégète, les Syriens, les Urmas, les Vénusiens, et le 12e cours sera consacré à la clôture et aux témoignages et échanges des participants, ainsi qu'aux dernières questions et réponses. Et le dernier kit, le kit numéro 6, intitulé « Le monde de Zen », présente la vie quotidienne d'un extraterrestre humanoïde racontée par lui-même. Zen est mon principal contact extraterrestre qui me décrit sa vie de tous les jours, pas par télépathie ou canalisation, mais par écrit, en live ou en audio, comme vous parlez à un ami au téléphone. Ces 4 cours qui auront lieu le mercredi 5, 12, 19 et 26 juillet à 20h présenteront la vie d'un extraterrestre humanoïde raconté par lui-même, ce qu'il fait, comment il occupe son temps sur son vaisseau mère, sa vie sur une planète inconnue sur Terre, sa société et la manière dont elle est organisée, ses relations avec ses parents, ses amis, ou le Conseil central planétaire en charge de sa planète, ainsi que ses missions sur Terre. Nous commencerons d'abord par le cours 1, avec la description physique, taille, force, apparence, peau, yeux, oreilles, nez, corps, doigts et orteils, longévité, type de reproduction, ses capacités physiques, mentales et spirituelles, la langue qu'il utilise, la télépathie, son caractère de la naissance à 148 ans, enfance, parents, éducation, compte-t-il créer une famille? Le deuxième cours le présente en tant que pilote d'un vaisseau spatial, sa formation de pilote à l'Académie de l'espace, la description de son vaisseau mère, de son vaisseau individuel,
ses missions et objectifs et ses missions de surveillance et intervention sur Terre. Le troisième cours présentera sa société holographique, le type de société. Comment fonctionne une société holographique sans argent? Comment Zen s'y prend-il pour acquérir de la nourriture, voyager, se loger alors qu'il n'a pas d'argent? Où habite-t-il? Dans quel type de maison? Comment occupe-t-il son temps? Quel transport utilise-t-il? Et le quatrième cours présentera les technologies avancées extraterrestres qu'il utilise, la place qu'elles ont dans sa vie quotidienne, les techniques d'invisibilité, l'intelligence artificielle de son vaisseau spatial et ses émotions, les émotions de l'intelligence artificielle. Chaque cours commence par une présentation et se termine par des questions-réponses des participants. Je vous souhaite à toutes et à tous de très lumineuses fêtes de fin d'année entourées de votre famille. Profitez de ces réunions familiales traditionnelles pour renforcer ou retrouver les liens d'amour et de respect envers ceux que vous aimez. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux.